là, oh là, oh là. Ok, ouais, là, ça va être un petit peu galère. Non, mais c'est ridicule. Ouh. Bon, les frérots, du coup, cette semaine, je fais pas de programme de vidéo. Puisque, du coup, vous avez dit que ça permet de faire des surprises. Et ben voilà la surprise. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et le lundi, tout est permis. Non, mais voilà, aujourd'hui, les amis, bonjour à toutes et à tous. Il est 16h, ça change pas. Il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, on est ni mercredi, on n'est pas vendredi, on n'est pas dimanche, on est lundi. Et j'ai envie qu'on commence la semaine. En fait, je vais être très honnête avec vous. J'avais absolument envie de tourner cette vidéo et je pouvais pas, dans tous les cas je l'aurais tournée, mais le problème c'est qu'elle serait sortie dimanche prochain en fait, donc vas-y, trop long quoi, trop long, donc surprise, la vidéo sort lundi, voilà, la vidéo sort lundi, c'est incroyable, j'ai vu vos retours sur la vidéo, eh bien de hier, la vidéo de dimanche, la vidéo d'aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, donc où on a fait Grand Utopia avec le casque VR, on va pouvoir en parler. On va en parler de ce putain de casque VR. J'ai des anecdotes à vous raconter. Mais d'abord, laissez-moi vous introduire le gameplay. Il y a du véhicule, il y a du véhicule. Nous sommes les amis sur une map très dangereuse. Vous l'aurez compris, la map s'appelle Rota Factor Dangerous Roads. Et en fait c'est une carte expansion de la carte Ondulandia qui a été créée par Fernando Gamer. Et cette map a été éditée par Factor Gamer BR. Voilà, et en gros c'est une map avec des routes qui ont l'air dangereuses, des routes qui je pense vont nous causer du tort. Donc trêve de bavardage, on commence la première mission où on transporte 5 tonnes de tracteurs. Donc vous voyez, j'ai 2000 euros. En fait, j'ai pas de menu. Hein. Si, j'ai un menu, mais c'est vraiment la toute première mission du jeu. Donc niveau mode, y a rien. Hein. Y a pas beaucoup de mode à part les trucs pour que ce soit réaliste, etc. On va pouvoir partir. Je démarre le moteur et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Alors je suis en manuel. Je suis avec ce DAF. Alors attendez, hop, je vérifie juste toutes les vitesses. Ok, on est bon. Je suis en manuel, je l'ai déjà dit. Alors par où on sort? Par où on sort? Pas par là. Allez, on est parti pour explorer cette map qui a l'air très sympa. Et je pense qu'on va bien s'amuser. J'allume les gyrophares arrière. Je pense qu'on va bien s'amuser et on va faire plusieurs épisodes. Alors voilà, ce sera en parallèle des vidéos sur Grand Utopia, on y retournera. Des vidéos également sur l'Islande évidemment. Mais voilà, c'est des vidéos en parallèle, j'avais envie de le faire, ça me fait kiffer. Je vous ai dit que j'aime bien découvrir des maps. Et ça c'est le genre de map, c'est le genre de map qui m'interpelle. Donc clairement voilà, et j'ai vu, il y a des routes qui nous attendent de ouf. Alors faites pas attention, juste si on regarde, regardez les noms, je ne sais pas si c'est normal, mais là c'est Strasbourg. Strasbourg, Graz, Dresde, Glasgow, il y a aussi alors, voilà, Manchester, voilà, je sais pas, Berlin, Dijon, voilà, faites pas attention à ça, que ce soit normal ou non, évidemment ce n'est pas ça, voilà, dans tous les cas. Donc hop, attention déjà là, le premier rocher, hop là, ça, oh la vache à la gigine, mais on va rester bloqué là. Attendez, on va reculer là, on va reculer, si je suis pas bloqué. Ok, oh là, ok, ouais, là ça va être un petit peu galère là. Ça va être un petit peu galère, donc vous l'aurez compris, hein. Vous l'aurez compris. Attendez, juste un truc. Ah voilà, c'était ça que je voulais mettre. Speed info. Donc vous voyez un petit peu, c'est montagneux, c'est tout joli. Enfin franchement, c'est ultra kiffant. Et ça me fait penser à la map Brésil. Mais comment je vais faire pour passer ça là? Bah on va prendre de l'élan, mais en vrai ça passe. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Attendez, je vérifie juste un truc. Pourquoi le GPS il me fait faire un truc? Ok, il me fait commencer là. Bon, je sais pas. Très bizarre. J'espère que vous allez kiffer. Vraiment. Allez, on y va. On va défoncer le camion. C'est pas grave. Enfin, c'est pas tant le camion, c'est la remorque. Hop. Ah oui, non, mais là. Mais c'est complètement débile. Ah oui, bah là, c'est pas de ma faute, hein. Je suis bloqué, hein. Non, mais là, ça serait jamais passé. Mais attendez, c'est ridicule. Si j'aurais pu prendre plus à droite à la limite, mais même j'aurais été bloqué. C'est complètement ridicule. Bon, alors là, je ne sais pas si c'est normal. On va se téléporter, tant pis. Hein. Je suis navré, bon, c'est comme ça. Ouais. C'est ça ce qui est bien avec les maps comme ça. Bon, attendez, c'est pas grave. Excusez-moi, monsieur, vous inquiétez pas. On va se mettre là.
Non mais est-ce que juste c'est possible? Non mais frère, c'est trop. Bon, on va se faire remorquer là, je comprends rien du tout, frérot. Je ne comprends rien du tout. Service de remorquage, je ne comprends pas. Je vous montre tout, hein, il n'y a pas de. Voilà, très transparent avec vous. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Je doute que ce soit normal, mais c'est pas bien grave. Hein. Voilà, on est là pour découvrir quand même. Et puis c'est rigolo. Mais c'est surtout les routes dangereuses hein, qui m'intéressent. On va réparer parce que le camion, bah, il est mort en fait. Hein. Il est complètement mort. Qu'est-ce que je viens de faire? Mais non, mais là, il vient de me remorquer de nouveau. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais il est complètement con, le machin. Attendez, soit je comprends. Alors. Ah bah voilà, réparer. Ah bah quand même. Allez, on répare. Les frais de réparation sont couverts par votre employeur. Ah bah c'est la première fois. C'est vrai, je me disais, j'ai que 2000 euros. Comment ça se fait? Ok, d'accord. Ouais, bon bah l'employeur, il va pas être très content. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et on est où, là? On est... Eh ben on est juste à côté. Bah voilà, comme ça, c'est bon. Voilà, ça ne change absolument rien. Oh la vache, quel enfer! Quel enfer, dites-moi. Bon allez, on va partir d'ici là. On va partir de... Ah oui, alors par contre la remorque du coup elle est déglinguée hein. Ça, je suis désolé. Je n'y peux absolument rien, messieurs dames. Non, mais là aussi je peux pas partir. Non, mais attendez, c'est une vanne. Attendez, non déjà c'est pas par là. Ah si, c'est par là que je dois sortir, mais c'est complètement débile. Attendez. Attendez, hein, ça commence déjà très... Ouah, regarde comme il roule vite, eh. Tout de même. Bah ouais, bah oui, oui, oui. Surtout, fais pas attention à moi. Allez, là, ça passe, c'est bon. Ça passe. Ouais, ça passe. Mes couilles sur ton front. Non, mais attendez, c'est vraiment... Mais c'est ridicule. En vrai, c'est ridicule. On se fout de ma gueule. Et là, je vais me retéper. Ah, voilà. Eh ben, on va y arriver. On va y arriver. Bon, je voulais vous montrer tout quand même. Hein. Comme ça, vous voyez un petit peu la galère. Bon, allez, on est parti. On est parti, on va kiffer ensemble. Bon, je pense pas que ce soit une route très compliquée. Enfin, le plus compliqué, c'est ça, visiblement. Hein. Non, c'est vraiment très bizarre. Bonjour, messieurs. Allez, moi, je roule comme tout le monde, je roule très vite. Bon, bref, les amis, parlons peu, parlons bien. Juste pour un petit peu revenir sur la VR. J'ai terminé la livraison du coup de hier hein, sur Grand Utopia, je l'ai terminé en off avec la réalité virtuelle, tout a fonctionné, d'accord? C'était génial et je me suis même dit ah ben, enfin j'ai cru comprendre pourquoi ça fonctionnait pas et puis pourquoi voilà. Donc je l'ai mis sur l'USB 3.0 en fait et du coup j'ai pas eu de problème. Et une fois que j'ai terminé la livraison, et ben le casque VR a de nouveau planté. Enfin le casque en VR lui-même il fonctionne hein, mais la connexion à l'ordi a planté. Ok, très bien. Et après j'ai refait des tentatives et en fait Euro Truck ne fonctionne plus. Dorénavant c'est Rio Dos. Très bien. La VR ne fonctionne plus du tout sur Euro Truck. J'ai fait plusieurs tentatives, ça ne fonctionne pas les gars. Ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc bref, j'ai refait la mise à jour Euro Truck normale. Et d'ailleurs, je sais pas si ça se remarque, mais j'ai réaugmenté la qualité. Bon après du coup c'est une map où peut-être qu'on verra pas forcément. Alors là ça va être compliqué, le bus il me double et tout. Forcément. Allez, on y va. Ouais, ça marchera pas. Bref, ouais, donc le temps de... Comme ça, on peut parler tranquillement. Hein. Mais non, mais vas-y, mais double. Oh, mais pourquoi ils font ça? Double-moi à fond, tu peux, il n'y a pas de problème, il n'y a personne en face. Bref, donc j'ai réaugmenté la qualité, puis je crois que la VR, c'est mort. Je réessayerai ultérieurement, hein, peut-être que la VR refonctionnera. Je sais pas ce qui se passe. C'est très bizarre, la VR et la VR et moi, j'ai... Voilà. Bon. Ça c'était le petit point, la petite parenthèse. Et puis voilà, tout simplement, c'était la petite parenthèse. L'anecdote du jour. Et je vais vous dire, je suis pas serein. C'est que j'ai chassé une araignée avant de démarrer cette vidéo. Une araignée qui m'a monté dessus. Non mais les gars, je vous jure, j'aime pas moi les insectes. Les insectes. Pourquoi je peux pas? Qu'est-ce qu'il me fait lui? J'aime pas les araignées, j'aime pas tous ces trucs là. J'ai peur. Surtout que ça me stresse de savoir que j'ai des araignées dans ma chambre. Qui est propre. Dans laquelle je dors, tu vois ce que je veux dire? Avec mon lit qui est bien ouvert là. Et j'ai chassé l'araignée avec un mouchoir. Elle s'est évadée du mouchoir. Elle a grimpé sur ma jambe. Genre je me suis dit elle a tissé sa toile pour se sauver. Mais du coup c'est pas possible. Mais en tout cas elle m'a vraiment grimpé dessus. Et j'ai secoué ma jambe dans tous les sens. Elle est tombée par terre et j'ai réussi à l'éclater au sol. J'ai eu énormément de chance. Parce que je te jure l'araignée je voulais pas qu'elle parte. Non seulement elle m'a monté dessus.
En plus, elle était du coup énervée contre moi. Moi, je me suis dit cette nuit, elle va revenir et tout. Alors, j'espère qu'elle va pas appeler ses potes. Je vous dis, je suis pas serein du tout. Hein. Je suis pas, j'aime pas les araignées, bordel de merde. Hein. Je n'aime pas les araignées. Voilà, c'était voilà, je vous voilà, c'était le voilà, c'était pas très viril, mais voilà, c'est très joli, et très belle montagne, hein. Des très belles dames aussi. J'aime pas les araignées. Vous aimez bien les araignées, vous? Enfin, vous aimez bien. Oh, c'est rigolo ça. Eh, le dos droit, on dirait moi. Alors, oula. Qu'avons-nous là? Oh, mais c'est super sympa. Parce que je me suis pas spoil, hein, les amis. Hein. J'ai juste fait quelques petits plans cinématiques au début. Grâce découverte. Ouais, c'est pas vraiment grâce, mais... comme dirait l'autre, c'est pas grâce. C'est pas grave. T'as compris? Allez. Donc ouais, on va se faire quelques petits épisodes ici. Hein. On va faire quelques vidéos sur cette map, si ça vous plaît. Parce qu'en vrai, ce qui est intéressant, vous voyez, bon, la map, voilà, il y a des bugs, il y a des trucs très bizarres. Mais ce qui va être intéressant, c'est surtout les routes. C'est surtout les routes. Genre les routes dangereuses, des routes un peu... Parce que j'ai vu, il y a des zigzags, des montées bizarres, des trucs... Des trucs, je pense qu'ils vont être improbables à faire. Hein. Mais... Ah ouais, mais le GPS, il m'envoie n'importe où, frérot. Non, mais vous avez vu ça? Non, mais c'est ridicule. Je suis pas sûr qu'il y aura plusieurs épisodes. Hein. Mais il y a même pas... Mais frère, il y a même pas de route qui... Qui mène à la destination... Non mais frère... What the fuck? Alors là les gars... Je vais bouillir. Je vais bouillir, mais attends, la voiture elle vole et tout. Non mais soit je suis complètement con... Non, je suis complètement con, c'est pas possible. Il y a un truc qui manque, il y a un truc qui manque, il manque des trucs là, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais à part ça, c'est stylé, hein, mais... attendez, moi, il faudra que je fasse demi-tour. Bah attends, en même temps, je peux faire demi-tour facile ici, hein. Attendez, parce que j'ai des voitures derrière. Oh là, il y a une voiture en panne sur le côté, attendez. On va profiter de sa détresse pour faire demi-tour. Ça va, monsieur? Dans le team double. Voilà, parfait. On va lui demander s'il a besoin d'aide, hein. Ça va, monsieur? Vladimir? Ça va? Il a l'air d'aller bien. Bon. On va faire demi-tour. Alors attendez, parce que là... Là on peut monter sur la terre. Très mauvaise idée. C'est bon. Ok. Bon, maintenant il faut qu'on arrive à livrer notre tracteur là, parce que c'est pas tout ça, mais je comprends pas. Est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a pas de chemin? C'est l'aventure. What? Le truc il vole. Regardez en haut, ça vole. Non frère, c'est une blague. Regardez. C'est une plaisanterie. Ok, bon, c'est là-haut qu'il faut aller. Hein. Ah non, peut-être pas. Ah si, 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 si. Si, 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 si. C'est là-haut qu'il faut aller. Non mais attendez, c'est une plaisanterie, mais là c'est pas une histoire de... Là je suis désolé, je roule n'importe comment parce que je regarde même plus la route. Non mais attendez. Ça je pense que c'est pas normal. D'un côté je me dis c'est fait exprès. Parce que c'est une map arcade, hein, vous l'aurez compris. Mais d'un autre côté je me dis c'est pas possible. Bon c'est sûr, hein, c'est pas du grand Utopia. On est bien d'accord. Hein. Bon il y aura peut-être pas plusieurs épisodes. Hein. Je suis peut-être un peu enflammé. Mais attendez, on va déjà voir jusqu'où ça nous mène. Et si on comprend le délire, eh ben on avisera. C'est très bizarre. Très bizarre. Et surtout que maintenant le GPS... Mais pourquoi le GPS maintenant il nous dit... Non mais attendez, par contre là... Ah oui, il nous fait faire tout le tour. Oui, ok, bon, en gros, il y a bien un truc à prendre. Il y a une rampe à prendre ou je sais pas quoi. Bon. Non mais les maisons elles volent. Ça c'est... Je pense... Non, les maisons qui volent c'est pas normal. Je crois qu'il y a un problème. Hein. On va dire que c'est de ma faute, même si je vois pas pourquoi ce serait moi qui aurais mal installé quelque chose, mais... Alors là, je ne... Je comprends pas. Ouais, je pense que c'est pas normal. Hein. Il y a bien un moment donné, il faut tourner là, non? Ah non, il y a pas de rampe, il y a rien. Je pensais que ce serait un truc un peu ridicule, tu sais, genre très compliqué, genre un peu à la GTA, tu sais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, non, il y a rien pour monter. Ah si! Si si! Regardez! Voilà, si si! Si 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 si! Donc c'est bien un truc arcade! Si si, attendez, c'est bon! Attendez! C'est obligé, c'est là! Voilà les gars! C'est n'importe quoi!
Ah ouais, ok, ben voilà. Ah bah j'aurais dû venir de l'autre côté, putain, parce que là ça marchera pas. Je vais faire demi-tour. Je vais faire demi-tour, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas. Si, vous pouvez vous inquiéter. Ça risque de très mal se passer. Ok. Hop. Y a un camion qui arrive à toute allure. Oh la vache. Encore toi le bus? Bah ouais, mais du coup je peux pas prendre large. Oh, ils font chier! Attendez. C'est bon. Voilà. 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 Hop. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu mes talents. Je suis pas sûr que ça va marcher, hein, mais Ok, ça me plaît. Du coup c'est normal, hein. Les maisons qui volent c'est un peu moins sûr, mais... Mais du coup ça c'est normal. Ok, parfait. Là on va s'éclater les gars. Là, on va s'éclater. Ouais, alors par contre les murs invisibles, ça m'éclate un peu moins. Parce que les murs invisibles qui te niquent tout. Non mais ça va 2 minutes. Mince. Pourquoi il m'a mis en première? Attendez les gars, j'ai un problème de... Attendez, déjà ça... Mais pourquoi il me fait ça? Normalement tu te mets en deux. J'ai mis fractionné Alors je sais pas pourquoi il m'a mis en deux maintenant, mais bon. Enfin, en 1. Ouais, bah du coup je suis bloqué maintenant. Bah ouais, bah vas-y, attends, descends tranquille. Descends tranquille. Alors attends, on va plutôt faire comme ça, voilà. Ok, bon, je devrais m'en sortir. Doucement, doucement, doucement. Je suis pas serein. Putain, mais parce que en plus cette livraison, elle est lourde, frérot. Tu crois vraiment que ils ont abusé un peu en vrai? Y'a personne à gauche? Oh putain, y'a une voiture qui s'est pris un arbre, j'avais même pas vu, eh. Non mais c'est ridicule. Bon, on aime bien quand c'est ridicule, mais Ok, allez, on y va. 3, 2, 1, let's go. C'est bon. Ok. Ok. Là j'y crois un peu moins. Ok. T'inquiète, hein. J'ai fait ça toute ma vie. Non. Je suis en première. C'est bon. En première ça passe. Troisième aussi. Par contre c'est un labyrinthe là, frérot. Ah non, c'est bon. Ok. Alors là ça va être drôle quand même. Non mais ils ont pas pensé à tout, hein. Attends. Regardez bien. Parce que moi je pense à tout. Voilà. Voilà. Wouh. Bon, on va faire chauffer un peu le moteur quand même, hein. Là je passe plus de vitesse, hein. Je vous le dis. Oh, on voit rien. Je vois pas où je vais. Adieu. Ok. Oh non. Oh non, sa mère l'hippopète. Oh, j'ai le bon réflexe. Par contre j'ai le bon réflexe là. On est bloqué mais je me suis arrêté, quoi. Allez. Bah ouais, non mais là c'est la merde. Ok, là j'ai le frein à main. Ok. Alors là les gars, c'est le moment. C'est le moment où tu te dis Puis là il m'a remis en deuxième maintenant. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon, très bizarre. Allez, 3, 2, 1. T'inquiète, c'est normal. Bon, allez là frérot, mais il me fait quoi? Oh non, on est bloqué. Mais non, on n'est pas bloqué, frérot. Oh là, on est un peu bloqué. Allô? Attends. Ah oui, mais y a rien qui est configuré correctement sur mon machin. Bon, attendez. Frein à main? Pas frein à main. On est d'accord? Voilà. Ok, allez frérot, on y va. Oh, c'est pas vrai! Sa mère l'hippopète!
Allez. Allez. On y est là. Allez, on y va. Allez, on y va. Ok, vas-y, vas-y. Attends. J'adore jouer avec l'embrayage. Là, le camion, il est mort. Hein, Mais t'es débile. Ok, il est débile. Il est complètement con, ce camion. Il a une intelligence artificielle. On est mort. Voilà, on est mort. On est mort. Non, c'est une blague. Bah là on est mort. Attends. Regardez. Allez, salut. Voilà. Juste pour dire qu'on passe, est-ce que... Ah bah voilà. Bon, et bah vous savez quoi? C'est éclaté au sol. Donc ce qu'on va faire, évidemment... C'est toi qui es éclaté au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le parcours et on va abandonner la mission. Au moins, on aura essayé. C'est rigolo, hein. Putain, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, facile, hein. Bah, en soi, c'est pas ça, mais c'est la remorque, elle est pas adaptée. Bah, en vrai, je suis désolé, les gars, la remorque, elle est pas adaptée à ce parcours, hein. Parce qu'en vrai, ça passe, tu vois, mais... C'est pas adapté, je trouve. Hop. On peut pas TP la remorque ici, genre. Notre client souhaiterait... Eh, notre client, je l'emmerde. Il a pas à être en hauteur comme ça. Hop. Voilà, moi, je vous montre comment on pilote un petit peu, là. Tac. Hop, voilà les petits palmiers. Bon, du coup, c'est pas un bug, hein. C'est bel et bien fait exprès, c'est rigolo. Oh, putain, j'avais pas vu ça. Donc, c'est bel et bien la GTA, par contre, j'avais raison, hein. Je pensais vraiment à ça. Et bien, voilà. On est arrivé. Quelle idée de se mettre sur une île volante. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah bah oui, du coup je peux pas, du coup c'est complètement con. Bon, en tout cas je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Et ça c'est rigolo. Ah là là, mais quelle histoire. Et du coup, est-ce que je peux annuler Ah ouais, c'est bon, je peux annuler. Vous ne pouvez pas annuler votre première mission. Ah bah donc tu sais quoi, bah c'était la première et la dernière vidéo sur cette map. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé. C'est la petite vidéo bonus. J'avais vraiment envie de le faire. Mais attendez, mais il y a plein de routes à faire qui sont ultra stylées. C'est complètement débile. C'est à dire que t'as pas le choix de la... Mais c'est complètement crétin. Attendez, on peut bien on peut bien enchaîner. Vous ne pouvez pas prendre ça parce qu'on peut pas annuler la première mission. Mais c'est complètement débile. Tu peux même pas faire la pro... Mais tu peux même pas faire la première mission. Mais c'est complètement débile. Bon, ok. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Attendez, regardez. On va juste pas parler chinois par contre. Parce que ça va la comédie. On sait que ça marchera pas de toute façon. On va récupérer. Elle est où la remorque? Elle est censée être où la remorque? Bon, ben voilà, comme ça l'affaire a réglé, le jeu a planté. C'est le jeu qui aura décidé. À notre place, c'est éclaté au sol. Les amis, voilà, c'était la petite vidéo bonus. Ça doit être sympa et rigolo, mais ça reste éclaté au sol. Voilà, les amis, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo surprise spéciale. Ben, je suis content, moi je l'ai fait. Voilà, j'aurais pas besoin de me dire, ah ben mince, j'aimerais bien la faire. Nanana. C'est fait, voilà, c'est fait, c'est dit, c'est fait. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'est n'importe quoi. Je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.